Hey hey! Salut les Good Vibes, c'est le Knout et bienvenue pour cette quatrième vidéo sur le jour 3 de mon aventure. Donc aujourd'hui, il y a eu une petite mise à jour, comme vous pouvez le voir, c'est la version 1.1.1. Je ne sais absolument pas ce qu'elle apporte. Donc voilà. Petit récapitulatif de hier, j'ai eu les Dodo Airlines, j'ai eu Thibaut, je lui ai donné 15 trucs pour le musée, du coup il y aura le musée, mais je crois du coup demain, parce qu'aujourd'hui ben il est pas là, donc c'est en construction je pense. J'ai donné aussi des matériaux, 30 bois de chaque je crois, et 30 pépites de fer à Mélie pour la boutique Mélie Mélo. Et j'ai remboursé aussi ma maison, du coup je l'aurai plus grande aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, normalement, il y a la boutique qui est ouverte. J'ai aussi pu choisir l'emplacement de la boutique. Donc ça, c'est cool. Voilà, demain, il y aura le musée qui ouvrira. Donc on va aller voir cette nouvelle boutique. D'accord, donc il y aura une petite cérémonie. Ce qui est bien avec Dodo Airlines, c'est les tickets là pour aller sur des îles. C'est pas mal ça. Comme ça, vous pouvez voir d'autres fruits, des insectes, des fleurs aussi. C'est assez cool. Il y a, je crois, une île requin, mais alors je l'ai encore jamais eu. Mais je me réjouis de la voir. Et du coup, ouais, vous pouvez voir des potentiels résidents en fait sur ces îles et leur dire de venir chez vous. Si vous les voulez. Alors, on va aller voir ça. Alors, la petite maison, normalement, elle a grandi. Oui, ça a grandi. Ah, c'est encore très très vide. Hein. C'est encore très très vide. Donc ouais, du coup, j'ai changé ma coiffure, j'ai changé ma coupe. Hein. Vous achetez ça avec les miles, au distributeur, là. J'ai pas encore acheté toutes les coupes. J'ai acheté qu'une carte de coupe et la carte des couleurs, en fait. Et vous pouvez vraiment vous modifier comme vous voulez, quoi. Et il y a plus de coupes. Avant, ben, on n'avait que ces quatre là. Donc maintenant, on a ça, on a ça, on a ça, 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 ça et ça. Et puis ben, vous avez toutes ces couleurs là, en fait. Donc c'est sympathique qu'on puisse modifier à volonté, hein. Vraiment comme on le souhaite quoi. Puis vous pouvez vraiment modifier vos yeux, enfin tout quoi. Donc c'est cool. Et puis il y a même du maquillage quoi. Ça faudra que je m'y attarde à créer des trucs parce que je pense qu'on peut vraiment faire des trucs sympathiques. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très sympa. Donc voilà pour la petite maison. Donc du coup maintenant je crois que je dois remboursé 198 000 clochettes, donc je les ai déjà en stock parce que c'est pas très compliqué à avoir non plus quoi. Il suffit de, ok, ça c'est pour les navets. Ok, ça c'est ce que j'ai commandé.
Ah oui, hier j'ai eu Gulliver aussi qui s'est échoué sur ma plage. On va voir ce qu'il m'a envoyé. Alors ça, c'est qui? 7 de repassage, mais d'accord. Ok, ça c'est le sac à dos que j'ai commandé. Et ça, une coiffe de samouraï. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec la petite catch qui bouge là. On dirait un Teletubbies. Bon, ça c'est bien fait, mais c'est. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Bon, on veut peut-être. Là. Faut pas déconner non plus. Voilà, ça. Je sais pas, à part ça. Ah non. Ça fait pas de place en plus, d'accord. C'est juste pour le style. C'est uniquement pour le style. Ok. Donc on veut juste aller entreposer la coiffe. Et puis le set de repassage, hein, parce qu'on sait jamais, on peut toujours l'échanger avec, avec quelqu'un qui en aurait besoin. Hein. Ou genre pour faire des cadeaux. Ah ben attendez, ça donne quoi si je l'accroche au mur? Ça a quelle tronche? D'accord. Alors, sinon, boum boum boum. Donc là, j'ai fait des petits remèdes. Hein, parce que j'ai chopé des petites guêpes hier. Donc c'est avec le nid de guêpe. Hein. C'est pas très compliqué. Enfin, quand vous secouez des arbres, ben, ayez votre filet dans la main, quoi. Comme ça évite déjà de perdre du temps avec le filet. À chercher le filet, on va dire. Donc, ici, normalement, c'est notre petit arbre à crochet de hier. Donc, il pousse, c'est très bien. Sinon, j'ai planté des petites poires et des petites cerises. Voilà. Là, il y a le musée qui est en construction, du coup. Du coup, ouais, celui-là, ben. Enfin, c'est dommage, oui et non, mais on peut pas le mettre vraiment où on veut, dans le sens que ben on n'a pas accès à l'île. Attends, je viendrai vers toi après. Dans le sens où on n'a pas accès à l'île entière quand ils nous demandent de placer la tente pour le potentiel musée en fait. Donc c'est un peu dommage, mais ma foi, voilà. Peut-être qu'on pourra le bouger. Par la suite, je sais pas. Ah, voilà. C'est qui, c'est Cousette ou bien l'autre? Je sais plus. Enfin, c'est une des sourdoies de fée, quoi. Okay, donc là, je pense que du coup, bientôt nous aurons la petite boutique des surdoigts de fée pour les vêtements et les tout ce qui est cosmétique, on va dire, hein, tout ce qui est coiffe, chapeau, vêtements, pantalons, peut-être chaussures aussi. Bonjour. Et oui, et du coup, ouais, pour choper tous les matériaux qu'il faut, hein, parce qu'il faut quand même 30 bois de chaque, donc bois dur, bois tendre, bois normal, et 30 pépites de fer. Du coup, là, faut pas hésiter sur les îles, bah, soit si vous avez des amis, d'aller sur les îles de vos amis, s'ils sont d'accord, bien entendu, hein, pas leur voler des matériaux. Et aussi, aller prendre les tickets, non, là, j'en ai pas, mais les tickets.
avec les Miles Nock là que vous pouvez acheter pour l'île au dodo, pour Dodo Airlines. Et là, du coup, vous arrivez sur une île complètement au hasard où il y a 3, 4 pierres et des arbres en fait. Et puis vous pouvez, entre guillemets, tout défoncer l'île, ça change rien quoi. Donc là, vous pouvez y aller avec le bois et les pierres. Vous faites ça 3-4 fois et c'est bon, vous avez les 30, vous avez les 30 pépites de fer. D'ailleurs, hier, j'ai eu une pépite d'or qui coûte 10 000 clochettes. Je ne l'ai pas vendue, je l'ai mis dans mes poches dans ma maison, dans mon inventaire de maison. Et je pense, hein, c'est uniquement mon hypothèse, que ce sera pour créer l'objet en or qui potentiellement serait incassable, je pense. Genre canne à pêche en or, pelle en or, filet en or, ainsi de suite, quoi. Je pense, hein, après je dis peut-être complètement n'importe quoi. Mais du coup, oh, est-ce qu'on peut acheter des... Oh, c'est cool ça! Ah, puis là, on peut directement acheter des... Ah, on peut acheter un lance-pierre direct. Des petites fleurs, des petits arbres. Bricolage, ok. Ah ouais, il te vend des oranges à 400 balles, lui. Ok. Par contre, les plants rudimentaires, je sais pas trop à quoi ça sert, étant donné qu'on les sait déjà. Là, on a de la tapisserie. Ah bah y'a que ça. Ok. Ok. Moi bon, je viendrai faire un petit tour plus tard pour les petites fleurs. Et là du coup on a un oreiller et un seau d'eau. Ok. Je vais juste aller voir dans les My Snook là s'il y a quelque chose qui a changé. Du coup la petite perche. Je ferai aussi tous mes fossiles et autres après. Je veux pas vous embêter avec ça en vidéo. Et du coup. Oui, du coup, je peux pas donner plus d'insectes ou autres au musée. Donc, ça continue de s'entreposer. Hein. J'ai eu une araignée, j'ai eu le psyché. Surtout des insectes hier. J'ai eu une punaise, j'ai eu le truc orange là-haut. Je sais plus comment ça s'appelle. Une espèce de grosse punaise. Là, il y a mes petites jacinthes qui poussent. Ah, là-bas au loin, il y a le petit sac de clochettes enterré que je déterrerai après. Et du coup, planter un arbre à clochettes, bien évidemment. Donc, on va aller voir s'il y a des nouveautés dans les trucs de Miles Nock. Je sais qu'on peut débloquer encore une ligne dans l'inventaire, mais je ne sais pas à partir de quand. Ok, son ok. C'est pas un problème, loulou. Hop, merci. Alors, ça. Rembourser le prêt. Clochette. Non. Épargne. Là, vous cliquez n'importe quoi, ça met de toute façon le montant juste. Et voilà. Merci beaucoup. Donc là, on va aller dire à Tom Nook que c'est fait. Comme ça, demain, on aura encore une nouvelle maison. Alors, bien sûr que tu as payé, piqué ma curiosité, mon petit. Voilà. Un potentiel nouveau résident, je pense. Trois clients potentiels, ok. Eh ben, c'est génial. On sera un peu plus que juste trois, quoi. Hein? Ok, qu'est-ce qu'il va me demander encore? Ok, qu'est-ce qu'il va me demander?
Bien évidemment que je vais t'aider. Bien sûr. Information confidentielle, ouais, ok. Ouh, sacré mot de passe, ça, je dois faire quoi? Ok, donc du coup maintenant. À propos de ma maison. Mais allez, allons-y. Allons-y. On va pas. Il faut y aller direct, hein. Faut pas perdre une journée encore. Alors, par contre, faudra charbonner aujourd'hui pour rembourser 300... 348 000 clochettes. Donc, du coup, échanger des MySnok. Du coup, c'est ça, c'est ce ticket MySnok là qui permet d'aller sur les autres îles. Ensuite, j'ai pris ça. Normalement, il y en a deux. Il y a les cool et les je sais plus quoi. Et du coup, bah, j'ai pris les autres puisqu'il reste celle-là. Il faudra que j'achète celle-là. Et du coup. Non, il n'y a rien de nouveau. Ok. Le shopping. Ok, donc c'est fait, c'est bon. Alors. Allons à l'inauguration. Mais oui, on va y aller. Par contre, j'aimerais bien savoir comment ils ont fait les autres pour venir, parce que, étant donné qu'elle est entourée de rivières et qu'il n'y a pas de pont, j'aurais bien aimé voir les villageois avec une perche, moi. Puis Tom Doc surtout avec une perche. Brava. Donc si c'est comme si c'est toujours comme dans les autres en fait, dans les autres opus, faut dépenser de l'argent chez Méli-Mélo pour que au fur et à mesure la boutique s'agrandisse. À moins qu'elle ne s'agrandisse pas, hein, je sais pas. On est trop fort, mais oui. Mais oui, on est trop fort. Un petit... Ah non, c'est pas le jeu d'orange cette fois. Cette fois, c'est les petits pétards. Hop là! Oh, un peu tard, mais ma foi, là. Pas grave. Impeccable. Ok. Donc, du coup. Ouais bah attendez, je veux juste vous montrer ce qu'il faudrait pour les habitants qui vont venir là. Avec ce fameux mot de passe. Que dois-je faire? Ah, il y a une petite piste de golf là, le Tom Nook. Alors, je dois faire quoi? Ah, ça c'est bien déjà. Un petit pont. Donc là, il m'envoie le petit plan à quitte pont. Ok. Ok. Ça marche. Oui, et du coup, je vous avais dit qu'il y avait des lettres bouteilles là de nouveau au bord de la plage. En fait, c'est pas des lettres dedans, c'est des. Bah des plans de bricolage en fait. Donc c'est cool, c'est cool. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là. Alors, oh, un petit pont rondin. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Un lot de piquet de tronc, ok. De l'argile.
et des pierres. Donc, le lot de piquets de tronc, c'est ça, là. Ouais. Donc, c'est pas compliqué, quoi. Ok, bah, c'est parfait. C'est parfait. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a? Comme petit... Maison de tes rêves. Hop. Oh! Ça, c'est très bien. Alors, voilà. Moi, je vais faire mon petit pont, je vais essayer de gagner des clochettes, je vais faire ma tournée de fossiles, je vais déterrer mon petit sac de clochettes et on va directement replanter un petit. On va directement replanter des clochettes pour faire un arbre, hein, parce que c'est des clochettes qui tombent de l'arbre après sans rien faire. Donc voilà, t'en plantes 10, t'en as 30, c'est tout bénef, hein, enfin 30 000. Hein. Et. Du coup, demain, il y aura le musée. Il y aura peut-être... Non, je pense pas demain qu'il y aurait les surdoigts de fée. Peut-être après-demain, je sais pas, on verra. Je vais essayer de rembourser ma maison. Je vais essayer de choper des nouvelles créatures. Et puis voilà, hein, on va avancer dans le plus grand des calmes dans ce jeu. Donc, laissez... Non, vous trouverez mon Insta. Peut-être aussi mon code ami en description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels fruits vous avez et depuis combien de temps vous jouez à ce jeu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Hein, ça fait toujours plaisir et ça encourage. À liker la vidéo aussi. Merci d'être resté jusqu'ici. C'était Knut. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.